est l'avenir des enfants blancs. Non ! J'ai rien fait, laissez-moi. Eh bien, bonjour mes amis, et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Donc, j'ai du retard dans les vidéos, puisque j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas fait de vidéo le week-end passé. Bon, j'ai travaillé, j'avais pas eu le temps. C'était les fêtes et tout, donc je vais rattraper ce retard aujourd'hui en faisant plusieurs vidéos. Donc, je vais vous parler de films, certains films que j'ai vus un certain temps, que je n'ai pas validé, mais dont j'ai pas fait de vidéo. Donc, voilà, bah, je me suis dit à un moment donné, faut quand même que je fasse une vidéo dessus pour vous éviter de perdre votre temps. Donc, il s'agit par exemple de A Day to Die, Un jour pour mourir, A Day to Die, origine c'est États-Unis. La réalisation c'est Wes Miller, la durée c'est 1h45, les acteurs c'est Kevin Dillon, Bruce Willis, Gianni Capaldi, Brooke Butler, Johnny Messner, le genre c'est action thriller, la date de sortie c'est 2022. Et maintenant voici l'histoire. Un agent de probation en disgrâce est redevable à un chef de gang local et contraint de réaliser une série de dangereux cases en 12 heures afin de payer les 2 millions de dollars qu'il doit, de sauver sa femme enceinte kidnappée et de régler ses comptes avec les chefs de la police corrompue de la ville qui travaille avec le chef de gang et l'a trahi il y a des années. Donc le scénario était intéressant, ça m'avait donné envie de le voir, mais c'est tout mes amis, je l'ai vu, j'ai essayé de le revoir il y a quelques mois, mais c'est inintéressant, je valide pas du tout mes amis, je valide pas du tout Day to Die, donc c'est un film assez ennuyeux. Évidemment Bruce Willis a tourné de bons films, mais c'était il y a longtemps, et maintenant la plupart des films qui tournent c'est des films de série B, c'est des petits films avec petit budget, pas très intéressant, où il a des rôles très ennuyeux, pas du tout à la hauteur de ce qu'il était Bruce Willis. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des bons acteurs comme Bruce Willis que le film est valable. Effectivement, A Day to Die, c'est à éviter mes amis, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Je vous mettrai donc toujours un extrait de vidéo au début de... On essaierait plutôt de film au début de ma vidéo et à la fin de la vidéo, comme je fais d'habitude. Mais A Day to Die, je ne valide pas, mes amis. C'est très insipide. Et ça sera tout pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et donc, comme je l'ai dit, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Vous revenez tous avec moi. Non.